Et profitons-en pour faire une toute petite sauvegarde. Ce village a été abattu comme des chiens. Ah oui, ah oui, regardez, aucun d'entre eux n'avait d'armes dans les mains, ils n'ont même pas pu se défendre. Je me souviens d'avoir traversé ce village la saison dernière. La maison de l'intendant et la maison d'Alain, par la Giacomo. Allons, partons à la recherche d'indices. Oui, mais d'abord, une toute petite sauvegarde, mon cher Sand. Et hélas. Ah oui, oh là là, oh y a... Attends, j'ai cru entendre quelque chose bouger dans le puits. Il pourrait s'agir d'un survivant, soit d'un assassin. Ce puits reste silencieux et intact malgré les flammes qu'il ravage. Ember, une corde descend à profondeur. Oh. Oh. Très bien. Qu'est-ce que... Vous êtes de retour, je sais que vous... Marcus ? Ça alors ? Je pensais pas que je t'aurais aussi longtemps. Mais qu'est-ce qui est arrivé au village ? Donc tout s'est déroulé comme tu le racontes. Des hommes sont venus, quand je les ai vus, j'ai su que c'était eux qui allaient tuer tout le monde. Et sans endroit où je me cachais, c'était le puits. Je les ai vus tuer tout le monde, je voulais pas regarder, mais je pense que c'était important que je puisse vous raconter ce qui s'est passé. Qui est responsable ? Ils étaient une douzaine, leur armure était sombre et l'un d'entre eux vous ressemblait, mais je savais que ce n'était pas vous. Quand je suis concentré sur lui, son apparence a commencé à changer. Je voyais un homme grand et menaçant comme un ogre, mais chauve. Tu étais là-dedans pendant tout ce temps. Je vais t'emmener à Port-Lest, en fait. Je peux bien... Fais attention. Je vous attendrai à l'auberge de la Veillée Alliance Falgore. Il y a toujours la bonne chair et siège près du feu. Voici le couteau que vous m'avez donné. Oh là là! Ça alors! Alors ça a vraiment eu une incidence. Ça a vraiment aidé la dague que j'ai, la dague de Bishop. Nom de Dieu. Et ça me mène où? Je suis stupéfait. Oh. Qu'est-ce? Oh, attendez. On est parti pour les cavernes, mais d'abord, je vais remonter, regarder un peu ce qu'il y a dans le village pour enquêter, et ensuite on va s'attaquer aux cavernes, une chose à la fois. Mais pourquoi il y a des cavernes gobelines Oh là là, il n'y a pas de musique, il n'y a que dalle, c'est horrible. Alors attendez, il faut que j'aille dans mes objets. Objets. Voyons, où est-ce que j'étais, Héliotrope? À qui tu as donné l'objet, ma grande? Oh, je vais pas la retrouver, au secours. Bon, ça doit se faire automatiquement, à mon avis. Nom de Dieu. Tellement étrange cette atmosphère. Ah! Oh non! Oh non! Le chat! Non! Pas le chat! Oula! Voilà. Qu'y a-t-il? Ce corps étrangement décoloré, c'est voici une putréfaction normale. Qu'est-ce que ça signifie? Ses blessures superficielles n'ont pas suffi. Et tu au poison? Nulle part, c'est un produit très connu. Oh là là! Un morceau de peau, c'est une preuve très précieuse. Oh! Cadavre étrange. Nous devrions continuer à chercher les indices, c'est peu que ce que. Alors attendez, le devoir. Ouais, alors. Tu me l'as mis. Ah, c'est d'en terminer. Non? Ok, d'accord, très bien. D'accord, on a le procès. Très. Très très bien. Bon, on va continuer. Enfin, qu'est-ce que... Il y a plein de chats autour de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est
très étrange. Oh oh oh, tiens tiens tiens. Registre du quartier-maître. Là nous entrons un journal de l'intendant. Voyons ça, ça a pris des notes. Ce n'est pas si compliqué que ça. Il a écrit que de cargaison s'est arrivé. Pas si Oscan savait que c'était pas la peine d'envoyer, ce qui veut dire qu'il savait que le village allait être détruit, gardant ce journal pour le procès. Ouais. Très très bien. On a quand même deux petites choses. Des champignons. C'était pas là quand. Dans mes souvenirs, c'était pas là ces champignons. Oui, un cadavre, un cadavre. C'est pas avec ces deux preuves que je vais m'en sortir, mon cher sang. Il va falloir trouver quelque chose d'un petit peu plus solide. Je n'ai pas plus d'infos. Alors par contre, sur mon journal de quête, je suis navré, mais... La poudre de dracosauge, oui, mais alors tu me l'as mis où la poudre de dracosauge? Oui. J'approuve. Tu veux quelque chose? Oui. Suivez-moi! Ah, sac de dracosauge, d'accord. Ah, d'accord, ok, alors. Ça, je vais me le mettre là, ça ira plus vite. Excusez-moi, j'ai mis un petit peu de temps. Et il faut que je le mette sur les cadavres. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Très très bien, alors du coup je vais me mettre la dracosauge sur le 2 et on va en douceur et tranquillement aller, aller faire disparaître les corps. C'est pas de la dissimulation de preuve ça. J'espère néanmoins qu'ils trouveront la paix parce que c'est... Ça me désole. Enfin, je le redis, mais cette ambiance là. Ah, ça me fait un peu. Est-ce que je fais pas. Je vais faire pareil sur les chats. Ah, je peux pas. J'ai pas le droit de faire ça sur les chats. Vraiment. C'est nul. Les chats aussi ont droit à de l'amour. Et à la paix. Ah. Bah. What? Nos routes n'ont pas cessé de guider de la route, mais quoi? Pour la dernière fois, avez-vous ce qui s'est passé au village? Et l'instant, je suis arrivé d'après tout ce massacre, tout ce que je peux dire, c'est qu'il ne s'agissait pas de l'ordre des orques ou des barbares. Contempler cet endroit, j'ai beau du crépuscule, mais je n'y ai trouvé que des... Le poids des années se fait cruellement ressentir, mes voyages ont touché à leur terme, je n'aspire plus car... Mais venir chez moi? Vous êtes sincère? Eh bien, très bien. Dès que lorsque j'aurai terminé, je reviendrai avec vous pour partager mes connaissances. Eh bien... au revoir, Guyenne de la route. Je me souvenais pas du tout de ce personnage. Bon, il y en a encore. Je pense qu'il doit y en avoir encore. Ça m'énerve ces arbres. Il y a un petit peu trop d'arbres et c'est énervant. Ah, il y a encore deux personnes. Les pauvres. Ah, hop. Je pense... Ah non, il y en a encore. Faut bien chercher dans le village. Mais je crois que ça devait être... C'était le dernier. Bien. Pas d'autres personnes? Non. Et a priori, point d'autres preuves.
Bien, nous avons fini avec Ember, il est temps d'aller voir ce que cette caverne nous réserve. Et j'espère cependant pouvoir y trouver des indices et une explication. Alors, qu'est-ce que cette caverne va m'apprendre? Voyons voir. Campement gobelin vers le bois du crépuscule. Ah, ah. Caverne philosophale. Attendez, comment ça vers le bois du crépuscule? Étrange, étrange, étrange. Évidemment, 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 ça va commencer comme ça. Ah, 23, 24, non, mais... Merci. Bon. Falloir chercher. Ok. Ulip. Voilà, des intrus. Ah, merde. Ok, stop, 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 stop. Je ne vous vois que mal. Stop, stop, stop. Qui est cet autre intrus? Très rapide avec arme féroce, lui beaucoup tuer une autre. Glek prendre son crâne comme trophée, mettre pierre brillante là où vos yeux être avant. Nous devrions en apprendre plus sur cet intrus. Oui. Est-ce que je peux parler à Glek? J'ai perdu patience, non. Il est peut-être. Ah. Ok. Gluck dit revenir dedans, lui pas croire vos amis avec autre. Lui pas croire vous amis. Ah bah d'accord. Mais nous pas vouloir dire le faire combien. Ok, très bien. Je vais marcher. Je vous veux pas de mal les mecs. Je veux juste parler. S'il vous plaît. Être un vrai chef. Gobelin, gobelin. Campement gobelin, Gleck. Alors, Ulip m'a dit que vous parlez vachement bien. Je vais pas les faire. Il est possible qu'il y ait une récupération auquel je suis accusé. C'était dans ce cigare terriblement violent sans notre magie, nous aurions été. Votre magie? La pièce philosophale sacrée, même la plus faible de votre tribu, connaît quelques sorts. Très bien. Et le reste de notre sacré de notre tribu, elle fut découverte peu après notre arrivée dans la caverne. Où son corps se trouve-t-il? En sang, il ne reste plus grand-chose de lui. Je n'ai conservé que son crâne, ses armes et ses anneaux. Quel prix pour l'anneau? La tribu a remporté ce trésor avec son sang. Si vous le désirez, vous devez vous faire de même. Oui. Les autres habitants de ces gardes sont des araignées géantes dont le pouvoir magique font de redoutables adversaires. Elles viennent de construire un nid dans une caverne voisine, trop près. Très bien. Ce tunnel vous mènera à la limite de notre territoire. Se trouve dans les cavernes au-delà. Oh. Ok. Ah, bon. L'anneau peut être important. Est-ce que cet anneau peut avoir un rapport avec l'anneau que des personnes qui m'ont attaqué la nuit où j'ai voulu devenir bachelier? J'aimerais éviter le combat le plus possible parce que je veux me concentrer sur, sur ma quête principale. Caverne philosophale. Je veux bien voir un petit peu cette caverne philosophale cependant. Ah, il y a des pièges. Il y a des pièges, il y a des pièges. J'aimerais bien savoir ce que tu fous, Kara. Il n'y a plus de pièges, a priori. Oh, oh! Ça doit être la grande... Seule... Oh! Je cherche les araignées géantes. Pas la bonne grotte, vous faire demi-tour et jusqu'à tomber sur toile. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Ah d'accord. Ça sera bien utile. Si nous leur prenons cette pierre, nous les laisserons à la merci des araignées. C'est... Vous posez des bêtes questions, Pierre Fusof. Ok. Au revoir. Je me barre. Je peux vraiment prendre la pierre? Je peux vraiment prendre la pierre. Je vais pas la reprendre la pierre. C'est hors de question. J'ai pas envie de me retrouver avec des dizaines de milliards de gobelins. Ah, là par contre. Là par. Ah.
Là par contre, j'aime pas ça. Là par contre, j'aime pas ça. J'ai pas envie. J'ai pas du tout envie de savoir ce qui m'attend tout au fond. Mais genre vraiment pas. Non, allez, bagarre. J'en vois une, j'en vois deux et j'ai déclenché un piège à 28 de dégâts au secours. Ah! Elle a posé quelque chose au sol. Bon, ça peut aller assez vite, comme ça peut être un tout petit peu suicidaire. Ah oui, c'est un tout petit peu suicidaire au final. Un poil suicidaire, mais. Ah, Chandra, Chandra, Chandra Jiro, qu'est-ce que vous faites? Oh là là, oula, je suis de lourd, oula, je suis lourdement chargé. Alors, une seule, s'il vous plaît, les mecs. Quel gars. Chandra. Kara, qu'est-ce que tu fais, ma grande? Qu'est-ce que tu fais, ma grande? Voilà. Je comprends rien, celle-là. Hein. C'est normal, Chandra. Elle fait quelque chose, mon de. Ah, c'est bien, quel gars. Allez. Parfait. Bon, eh bien, plus d'araignée. Bonne nouvelle. Je vais quand même faire un tour du côté du bois des crépuscules avec cette sortie-là. J'ai énormément de malus, par contre. J'ai beaucoup, 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 beaucoup trop de malus. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, vous voyez les portraits en noir, mais je pense que c'est temporaire. Alors, qu'avons-nous? Un cadavre. On va regarder un petit peu ce nid. Voyons voir. Arbalète lourde. Très bien. Ici, c'est la sortie pour le bois. De ce côté, il n'y a rien. Voyons voir ce qu'il y a en dessous. Normalement, il ne doit rien avoir en dessous, mais par simple curiosité. Une énorme araignée émerge de l'ombre et ses réservoirs sont du côté. Oh. Oh. Mais que ne donnerais-je pas pour un livre assez gros pour l'écraser? L'araignée s'arrête et vous regarde. Qu'est-ce qu'on fait? Un long murmure, l'araignée agite ses mandibules comme si elle réfléchissait à sa réponse et commence ensuite à dessiner le sol. Semble d'une remarquable intelligence de ces glyphes sont vraiment fascinants. L'araignée termine le premier symbole, le contemple un instant et en ajoute plusieurs autres. Si on ne pouvait pas croire, je suis dire que j'en ai sûr tranquille. Qu'est-ce qu'elle dessine? Je veux te comprendre, madame. L'araignée vous scrute intensément. Faisons. Je suis sûr qu'il y a une quête avec cette araignée. Je suis sûr et certain qu'il y a une quête avec cette araignée, mais je n'ai pas la bonne personne avec moi. C'est comme pour les deux personnes de tout à l'heure. Plante d'araignée venimeuse, oui. Bon, déjà, essayons de récupérer l'anneau qui a été gardé et. Le crâne, je m'en fiche, mais au moins l'anneau, ça me permettra d'avoir une preuve en plus. Bon, il est où, clac, clac. C'est fait. Les égards disent, ouais, vous avez bien mérité cet anneau, et ainsi que la gratitude. Très bien. Ces petites dents sur le long du bord, cet anneau est symbole du cercle des lames. Ah, un anneau. L'homme que c'est qu'on a assassiné est un assassin, l'assassin bien loin de sa patrie. Nous devons continuer à chercher des indices. Tiens, tiens, tiens. Mais. Une seconde. C'est exactement les mêmes. La bague est d'un point ganté en maille. Un point ganté en maille.
des piques, un poignard. Je pense que le rapprochement va se faire assez rapidement. Oui. Bien. Qu'est-ce qui est... Voyons voir ce qu'il me reste. Ça, c'est réglé. Le récit d'Engun, ça, ça pourrait être utile. Mais pour le moment, il va falloir que je vienne déjà dans les bois. Donc le bois du crépuscule. Et... La crête du crépuscule. Finalement, c'est trop juste. Et là, il faut que j'aille dans le bois et le bosquet. Ouais. Je vais déjà me rendre au bois via cette grotte, savoir où est-ce que ça m'amène. Si ça m'amène au milieu des problèmes, ça va être horrible. Et je n'aimerais pas que ça m'amène au milieu des problèmes. Je sais pas pourquoi leur... Pourquoi leurs portraits sont noircis. Qu'est-ce que... Oui. Suivez-moi. Je pense que c'est le jeu. C'est le jeu, c'est la version PC. Ce n'est pas un drame. Mais je vais vraiment sortir dans les bois. C'est étrange tout ça. C'est bien trop étrange. Enfin. Qu'est-ce que je risque ?